Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Sangoten5, on se retrouve aujourd'hui sur Overwatch pour la nouvelle mise à jour Insurrection, qui est un mode de jeu, on va dire un petit mode d'histoire avec 4 personnages, dont Tracer, Reinhardt, Ange et Torbjorn, et le but c'est de capturer tous les points et d'aller à la fin de détruire les ennemis à abattre, voilà quoi, c'est ça. Du coup, bah, c'est en fait l'histoire qui se passe. En fait, c'est l'histoire qui se passe quand ils étaient dans la team Overwatch. Quand ils étaient dans les Overwatch. Du coup, là, les personnages, bah, j'ai pas les skins des personnages Overwatch, mais là, ils nous les donnent pour le mode histoire, on va dire le petit PVE. Voilà. 20 ans après avoir gagné la guerre contre les Omniacs, nous étions toujours loin de vivre en harmonie. Un nouveau foyer pour les robots devait constituer le premier pas vers une amélioration des relations entre humains et Omniacs. Mais l'espoir fut de courte durée. Les extrémistes du secteur 0 ont attaqué King's Row par surprise. Ils ont pris le contrôle de la zone et causé des centaines de victimes, des milliers de déportés. Maintenant, les robots pourchassent les derniers survivants. Nous sommes peut-être à la veille d'une nouvelle guerre entre humains et Omniacs. Nous devons tout faire pour l'éviter. Le commandant Morrison a envoyé son équipe d'élite libérer la ville. C'est ma première mission et ma seule chance de sauver mon foyer. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ici Morrison, votre mission est de libérer. Je prends Torbjorn. Je voulais prendre Tracer, mais il l'a pris avant moi, il était direct dessus. Donc ouais, en fait, c'est ouais, la première mission de Tracer, comme on peut le voir, en tant que Overwatch. Membre de Overwatch. Et la voix que vous entendez là, c'est commandant Morrison, on voit en haut à gauche. Le premier canon anti-aérien se trouve à l'entrée. Reinhardt, évite de tomber tout seul dans le tas. Comme si j'avais dépassé par les chemins. C'est marrant parce qu'ils se parlent entre eux. Et là les personnages vont se parler aussi entre eux. Ouais, c'est bien fait franchement, petit mode histoire. Mais bon, ça, ce mode là il va pas durer tout le temps, c'est une période, c'est un event. Et j'espère que, bah, on va dire, j'espère que Blizzard vont faire un mode histoire pour le jeu. Il y a eu des rumeurs comme quoi Jeff Kaplan a dit qu'il serait content de faire un mode histoire. Après, j'en sais pas plus, mais ça serait bien un petit mode histoire. Déjà là, c'est bien. Un petit mode PVE là. Vas-y, on remet la tourelle. Bon, attention, là c'est facilement, je peux faire des kills sans donner de la vie. C'est très facile en mode normal. J'essaie de le faire en expert avec ma team, mais c'était chaud. On était au milieu, on va dire, mais c'est dur franchement. Et en légendaire encore pire, on a essayé aussi, mais on arrivait au même point. Et c'est dur. Regardez, hop. Bon, justement que c'est facile de faire des kills. Mais bon, le but c'est de découvrir la mise à jour. Je vais pas vous faire en mode expert. Après, j'aurais pu vous faire en mode difficile, hein, mais bon, si les personnes qui sont avec moi qui sont pas très forts, ça me sert à rien de le mettre en expert, en difficile. Je préfère assurer ma vidéo de pas la recommencer tout le temps par rapport à mes alliés. Ou de faire des cuts parce que là, ça demande quand même du boulot. Et en plus de ça, je fais plus de vidéos, je fais plus trop rien. Mais bon, ça va revenir. Et merci pour les 156 abonnés, là, on y est là.
156 abonnés. J'aimerais bien atteindre les 200 abonnés. Ça me ferait très plaisir. Ça m'encouragerait de continuer les vidéos. Et ouais, enfin, si j'ai le temps, je ferai des petites vidéos avec tous mes, enfin, quelques POTG. Des petits tops, enfin voilà quoi, des par rapport au personnage, des petits clips. Par exemple, si je veux faire un clip sur Tracer, bah, je vais faire tout, mais je vais mettre tous mes clips de Tracer, toutes mes belles actions en musique. Voilà quoi. J'en ai beaucoup en plus. Les carnages que j'ai fait, c'est joli à voir, c'est plaisant. Bon, je vais mettre ma tourelle ici. Bon, mais l'ulti parce qu'on le récupère vite. T'inquiète, je suis dans le point. Personne n'est dans le piratage, dans le point du piratage. Donc ouais, c'est normal s'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne, hein, c'est un peu normal. Ne inquiétez pas, j'en fais toujours. Dégage. Moi, c'est tranquille le mode de jeu là. Si vous voulez vous détendre, je pense que c'est tranquille. En rendant normal, bien sûr. Allez, hop, on y va. Rendez-vous sur la place. Livraison en cours. Ouais, en parlant des skins, les skins là, c'est par rapport aux anciens membres d'Overwatch, ouais, de la team Overwatch. Et puis aussi les Black Watch comme Macri et Genji. Genji je l'ai eu. Genji je l'ai eu, du coup je suis vraiment content. Évidemment, c'est moi qui l'ai pas fait. C'est bon maintenant? Il est prêt à avancer? Pas tout à fait. J'aurais dû m'en douter. Préparez-vous à une nouvelle vague d'attaque. La bouboule, son but c'est d'aller au convoi et d'exploser sur le convoi pour mettre beaucoup de dégâts au convoi. Je te dégage. Et aussi sur ma chaîne il y avait une petite vidéo montage. Défendez le convoi, il a juste besoin d'un peu plus de temps. Ça va marcher, croyez-moi. J'essaie de pas me parler. Une petite vidéo montage sur Maeve, un personnage de Paladin. En ce moment, je joue à Paladin, un jeu similaire à Overwatch. Franchement, il est bien pour ceux qui le veulent. Il est gratuit, mais si vous le voulez, faut envoyer un message. Enfin, un message, faut pas envoyer un message. Faut s'inscrire à la bêta. Je sais pas si on peut encore s'inscrire à la bêta fermée de Paladin. Si vous avez envie de le tester. Sur le petit bastion là. Allez, recharge là. Moi, je déteste ça quand je recharge. Au moment que je recharge, le mec il va mourir. On en est où? Générateur opérationnel. Système de propulsion en cours de démarrage. Encore quelques secondes. Ah, mais c'est bien, ils se parlent entre eux. Après vous pouvez le faire, le mode histoire, enfin le mode, ouais, ce mode là, en prenant les personnages que vous voulez. Et bien sûr, vous êtes obligé d'avoir un heal,
sinon c'est chaud quand même de le finir, même en normal. Ouais, pour ceux qui se demandent, je suis sur quelle plateforme, je suis sur PS4. Bien sûr, je suis pas un joueur PC. Hein. Ah merde, je sais rien. Là on doit amener le convoi jusqu'au point... Bah au point discount. Bastion, le bastion, le petit bastion, il est là-bas. Il est en mode ultime, mais il est pas très fort, on va dire, qu'un bastion normal en PVP. Bon, bah c'est Reinhardt là qui calme, avec le petit. Ce mode de jeu il me fait penser à un peu Ratchet & Clank, ou des personnages à tuer, des petits robots, des trucs comme ça. Ça me fait penser à ça. C'est un peu dans le même délire. Bon, je vais aller reprendre mes ferrailles. Sur le bastion, je sais pas où il est. Oh, il est en face. Ah, il est là-bas. Ah non, ma tourelle va se faire détruire. Non, bébé tourelle. Putain. Ah, oh, c'est chiant ça. On va l'améliorer. Dégage. Quand même, on perd beaucoup de points de vie du convoi. Là. Quand même. C'est beaucoup. Et ouais, comme vous avez pu entendre, j'ai oublié de le dire, commandant Reyes, hein, le fameux faucheur, et ben vous entendez sa vraie voix d'homme et pas sa voix de faucheur, sa voix de maléfique. Ça fait bizarre d'en voir comme ça. J'ai bien fait de la mettre comme un tourelle. Un bon petit spot. On la répare. Hop. Mise à feu déclenchée. On devrait pas rester à distance. Derrière mon bouclier plutôt. Ah vraiment? Merci pour cette preuve de confiance. Cette porte, le niveau d'énergie atteint un seuil critique. En gros, ça veut dire que s'il explose, c'est pas une explosion qui peut les tuer, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit merci pour ce manque de confiance. Et ouais, vous avez le skin de Torbjörn, le petit skin. Le petit skin d'Overwatch, et après le petit skin quand il est jeune, quand il est en mécanicien, en mécano. Il est sympa, franchement. La différence, c'est qu'on voit. On voit que son bras là, il est cassé, c'est un bras robot. Et sur l'autre skin, on voit sa main dans ça, là, quand vous mettez un coup de poing, dans son bras gauche, là, une espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà quoi, sa main robot. Ben, on voit sa main dedans, que là on la voit pas sa main, parce qu'elle est coupée.
dire c'est une espèce de prothèse pour lui. Ouais, je vais aller défoncer. Voilà, fini. Mission réussite. Et ouais, c'est assez simple, franchement. En normal, bien sûr. Petite orbe, alors c'est qui? Oh, c'est moi. La kill cam. Moi, je n'aurais pas pensé que ça serait moi. J'ai dit Reynard, parce que j'ai vu qu'il balayait tout le monde, il les défonçait tous. Mais non, c'est moi, une petite orbe. Bon, c'est pas terrible, hein. Bon, j'ai le sort. Je suis dedans. On va voter qui? Bon, on va voter l'orange, allez, pour le heal. Alors, en même temps, elle est obligée de prendre le heal. Si tout le monde a pris les personnages, t'es obligé de prendre le heal. Mais si t'es dans le mode de jeu où tu peux prendre le personnage que tu veux, t'es pas obligé de prendre le heal. Mais bon, vaut mieux prendre un heal parce que c'est une survie. Donc volley. Donc ouais, je vais vous faire voir le petit Orbiorn là, vite fait. Alors, le petit Orbiorn, il est où? Il est là, le petit Orbiorn. Je vais mettre tag. Ouais. Non. Ça, c'était de Noël. Voilà, ingénieur, vous avez là. Vous voyez sur sa droite, là, son bras gauche. Il y a une espèce de boule dedans. Et puis là, vous voyez sa main. Et là, c'est quand il avait encore sa main. Et là, sa main, elle est coupée en fait. Elle est remplacée. Voilà. Enfin, elle est en rond. Voilà quoi. Elle est coupée. Il n'y a plus de main. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse sur le skin de Torbjörn. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et abonnez-vous. Et puis, on se retrouvera pour de prochaines vidéos sur Overwatch ou d'autres jeux. Donc, allez, salut tout le monde.